Autrefois, la galette était le plat du pauvre en Bretagne. Et on en mangeait beaucoup. Autrefois, le blé noir, le célèbre sarrasin tant chanté par nos poètes, le blé noir poussait bien, la terre était pauvre et on se contentait de rendements dérisoires. Maintenant, on déguste encore des galettes, plus dans les villes que dans les campagnes d'ailleurs. Monsieur Pasquier, avec quoi fait-on la galette? Avec du blé noir. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre ingrédient? On vient du sel et de l'eau, tout simplement. On trouve dans certaines crêperies, je crois, des gens qui ne se contentent pas de mettre du blé noir, qui ajoutent autre chose. Bah, ils mettent de la farine de blé dedans, quoi. C'est bon, ça c'est mieux. Puis c'est moins cher. Il y a beaucoup de touristes qui aiment ça parce que c'est un peu la mode aussi, quoi. Mais il y a aussi beaucoup de touristes qui sont d'origine bretonne qui viennent manger des galettes. Et puis c'est quand même aussi un plat qui n'est pas tellement cher, qui est naturel, puisque le sarrasin pousse dans des terres qui sont à peu près exempts d'engrais, quoi. Il y a des gens qui ne mangent jamais de pain, qui viennent chez les galettes continuellement, pour le matin et le soir, ils ne mangent jamais de pain. Pour l'approvisionnement en blé noir, est-ce que vous avez des difficultés? Parce que le blé noir, on en fait quand même de moins en moins en Bretagne. Non, on n'a pas de difficultés. Non, non, on a toujours du blé noir comme on veut. Je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin, c'est qu'on en a toujours. Et vous n'êtes pas le seul à ignorer la provenance du blé noir. Pourtant, il en faut de plus en plus pour alimenter les moulins qui, comme celui-ci, donneront de cette farine qui sent bon la simplicité et le naturel. Et pour vous qui mangez peut-être des galettes en ce vendredi soir, où pensez-vous que pousse le blé noir? En Bretagne, direz-vous. Eh bien, détrompez-vous, le sarrasin est devenu chez nous une pièce de musée. En clair, on n'en trouve plus. Pourtant, on consomme sans doute autant de galettes dans les quelques 2000 crêperies de Bretagne. Il y a aussi du sarrasin en Auvergne et à l'étranger, Canada, Pologne, Afrique du Sud, etc. Mais ici, il faut le chercher derrière l'écran opaque des champs de maïs. Parlons chiffres, en 15 ans, on est passé de 260 000 quintaux à 8 000. Cette très faible production régionale ne saurait certes pas suffire à alimenter les moulins bretons. Absolument pas. On est obligé d'importer du Canadien et d'Afrique du Sud. On n'arrive pas à avoir assez sur place. Et est-ce que dans les années à venir, vous allez toujours pouvoir importer du Canada ou d'Afrique du Sud ou d'ailleurs? Je pense qu'on pourra tout au moins se ravitailler sur d'autres régions puisqu'on en fait dans tout le monde entier. On en trouvera sans doute à l'étranger, mais les gerbes de blé noir ne feront plus partie de notre paysage. On en parlera peut-être le soir en mangeant des galettes canadiennes ou polonaises. Actuellement, on ne cultive plus le sarrasin, on se contente de s'en servir pour occuper le sol, et les experts vous diront qu'on ne peut rien faire d'autre. Revenons sur les productions. En Bretagne, le principal consommateur de galettes est l'Ille-et-Vilaine. C'est également le département où on cultive le plus de blé noir. Viennent ensuite le Morbihan et loin derrière les Côtes du Nord et le Finistère. Monsieur l'évêque, est-ce qu'on cultive beaucoup de blé noir dans la région de Plouharmel? Ah non, pas tellement. Vous, cette année, vous en avez fait, pourquoi? Nous, c'est à cause du remembrement. Il y avait des terres qui étaient restées en friche, d'autres des talus. Ça, autrement, on n'en fait pas. Et cultiver du blé noir, ça vous permet d'améliorer la terre? Améliorer la terre, oui, ça l'arrange, ça nettoie les mauvaises herbes. Monsieur Michel, pourquoi ne fait-on plus de blé noir? Ne fait-on plus, on en fait encore, puisqu'on est dans les champs de blé noir, mais la plupart du temps, on fait du blé noir soit sur des terres où on ne peut pas avoir d'autres récoltes, soit, comme ici à Plouharmel cette année, en période de remembrement pour... un petit peu nettoyer certains emplacements de talus et des vieilles terres en friche qu'on vient de récupérer dans le cadre du remembrement. Il faudrait obtenir des rendements d'au moins 15 quintaux à l'hectare pour que la culture du sarrasin devienne rentable. Actuellement, les rendements moyens se situent entre 7 et 10 quintaux par hectare. Inutile dans ce cas de penser au remplacement de ces batteuses qui soufflent encore de l'effort et du travail bien fait. Et pensez-vous que si tout le monde arrête de faire du blé noir, on va encore pouvoir manger des galettes? Madame, non, je pense pas. Donc les galettes, c'est fini? C'est fini, oui. On n'en fera plus du tout en Bretagne.
D'ici quelques années, ça m'étonnerait qu'on en fasse beaucoup. Alors les galettes bretonnes seront faites avec du blé noir du Canada. Oui, resteront bretonnes quand même, quoi. La galettière restera bretonne, mais la farine sera canadienne, polonaise ou autre. Mais la galette restera donc bretonne. Sera-t-elle toujours d'aussi bonne qualité? Va-t-on devoir appauvrir les sols si on veut continuer à en déguster? Ce plat pauvre deviendra-t-il mets de luxe? Qui sait? Ni vous ni moi. Je sais seulement que le blé noir était une spécialité de chez nous et que les galettes sont toujours délicieuses chez ceux qui ne trichent pas.